Après sa participation à L'Amour est dans le pré, cet agriculteur est retourné à sa routine, ou presque. Mais dernièrement, il a évité le pire en plein travail. En effet, il a été victime d'un accident de moissonneuse. Depuis, il donne des nouvelles. Jérôme et Lucille se sont rencontrés en 2020, devant les caméras de L'Amour est dans le pré et l'œil bienveillant de Karine Lemarchand. Depuis, le céréalier et maraîcher n'a plus jamais quitté sa prétendante. Le couple a célébré son mariage et est même devenu parent de deux adorables enfants, Capucine née en 2021 et Adonis, qui a pointé le bout de son nez en 2023. S'ils semblent plus heureux que jamais dans leur quotidien, un accident vient tout bouleverser. Dimanche 7 juillet 2024, Jérôme est apparu allongé sur son lit en story sur Instagram. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'était pas la grande forme. Sa chère et tendre Lucille a ainsi révélé que l'agriculteur a été victime d'un accident, il est tombé de sa moissonneuse hier. De son côté, il a également donné des nouvelles. « Je suis tombé entre la coupe et la roue de mon engin », a-t-il indiqué. Je ne suis pas tombé du côté de la lame. Une grosse frayeur pour le couple. Car Jérôme l'a échappé belle. Plus de peur que de mal, heureusement, il n'a rien eu de grave. Ça promet un sacré hématome par contre, a poursuivi la jeune maman. Jérôme, L'Amour est dans le pré, déjà blessé 4 fois à la tête. Au lendemain de cette première vidéo, Jérôme et Lucille s'expriment de nouveau. Il faut dire qu'Owen Prétend, l'un des couples stars de L'Amour est dans le pré, a reçu une tonne de messages de soutien, demandant ainsi des nouvelles de l'état de santé de l'agriculteur. Ça va mieux, difficilement, ça tire un peu. Je me suis tapé la tête. Ça ne m'empêche pas de marcher mais je suis en perte de mobilité, je boite un peu, a lâché le charmant roux. Puis, dans la foulée, Jérôme a montré la blessure sur son crâne, encore teintée de son sang, ainsi que l'énorme hématome le long de sa jambe. Ta cuisse est ultra gonflée quand même, note Lucille, à juste titre. Tandis que lui se dit pas dans un bon mood, sa femme avoue avoir quelques craintes, parfois il me fait peur. Il cesse de taper 4 fois la tête au même endroit. À la fin de l'été tu vas être en 1000 morceaux.